one reason to come, one reason to listen to them, and one is here with Chris and Dennis. How are you? Very good, yourself? Ah, amazing, though. I get to have you. So you're coming back to Montreal? Coming back, okay, to the nest? Revenez donc au nid? Au nid doux? On fait un petit show, je pense, samedi? Oui, samedi soir. Il y a donc aussi Dirty Valentine qui est relâché, si je comprends bien. Début de l'année, mais on n'a pas vraiment lancé. On a fait une tournée aux États-Unis derrière l'album, mais on n'a pas vraiment lancé ça, tu sais, ici, là. Mais là, on a engagé quelqu'un pour travailler avec nous, pour vraiment essayer de percer sur le marché ici. Chez nous. Parce qu'il faut être connu chez nous. Sinon, vous êtes un peu comme Félix Leclerc. Vous êtes allé ailleurs, vous êtes revenu ici, vous êtes roi, les rois du rock. Hein? Vous êtes les rois du rock. Est-ce que ça va être comme l'évasion des Beatles? On va se demander. Hein? Ouf. On serait vraiment chanceux si c'est même un tiers de la popularité des Beatles. Le tiers. Alors, quand vous êtes rencontrés, vous êtes quatre là-dedans, ok, là-dedans, il y a un ou deux qui est une guitariste, l'autre qui est vocaliste, donc chanteur plein temps, c'est ça? Ça, c'est le dernier chanteur. C'est le chanteur plein temps, c'est Dan. Okay. Puis Chris, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Okay. Non, tu fais juste okay, regarder les belles filles toi, pendant les shows. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je fais semblant de jouer la guette un peu. Juste pour être sur la scène. C'est qui d'autre qui est dans la gang? Vous êtes cinq, c'est ça? Quatre. Ah, OK, cinquième, OK, c'est Dan. C'est M. Asher qui est dans l'arrière. C'est ça. Bon, c'est qui les deux autres membres du groupe? Comment vous êtes rencontrés? Mais moi puis Danny, ça fait longtemps. On a joué dans un groupe cover ensemble. On a commencé de même. Puis après ça, on a décidé de commencer à écrire des tunes. Puis, on a rencontré deux gars, puis présentement, c'est pas les deux gars qui sont dans le groupe, mais c'est eux autres qu'ils ont commencé le groupe avec nous autres. Puis là, on est rendu avec deux autres gars. Un de ces gars, on peut pas nommer le nom parce que c'est une surprise samedi. Ouais. Mais Rudy, on peut le nommer. Il nous écoute en passant. OK. Salut, Rudy. We didn't forget you, dude. Rest in peace. Non, je regardais, c'est votre deuxième album, je crois, si c'est possible. Exactement, c'était quoi le premier? Le premier, c'est Never Say Never, qui était lancé en 2006. 2006, donc le groupe existe depuis combien de temps exactement? C'est 9 ans. 9 ans, à peu près, ouais. C'est 9 ans maintenant. 9 ans, OK. Ouais. Vous êtes enduré, OK, comme, bon, pas comme un couple, finalement, quatuor, OK, donc il n'y a pas de chicane de famille là-dedans, là, depuis 4 ans, tout va bien? Oui, oui, il y en a. 6 ans, c'est vraiment une chose. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent pour vous autres, les boys? Il y a une tournée qui s'en vient en 3 semaines aux États pour un autre 2 mois. Ah, oh, c'est cool. Si vous allez exactement aux États, pensez-vous qu'ils sont prêts pour vous voir encore après un bout, là, comme ça, sur la route? Là? Probablement non, mais ils n'ont pas le choix. C'est comme un tsunami, il faut s'arranger. T'sais. One time, okay, to have them all and to bring them into darkness. Oups, wrong movie. Alors, je vais te demander une chose. Je regardais beaucoup des thèmes là-dedans. Je suis tombé sur deux chansons. Une qui était extrêmement forte, celle qu'on entendait. Il y avait beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie. Puis je suis tombé sur une autre qui était plus soft. On dirait que vous avez beaucoup de layers, beaucoup d'influences. Si vous allez chercher vos inspirations? Souvent, c'est l'inspiration peut arriver de quelque chose qu'on voit tous les jours devant nous, des situations, une chicane, n'importe quoi. Des jours que tu sens plus romantique, c'est facile d'écrire une ballade. D'autres journées, non. Dans le fond, ça peut être inspiré d'une situation ou des fois juste une mélodie de guitare que Chris commence à jouer. Puis il y a des tunes qui sortent dans 5 minutes, puis il y a d'autres tunes que ça prend une couple de semaines ou même plus que ça à écrire. C'est dans le fond, tout ce qui nous arrive à tous les jours peut inspirer la musique. Là, moi j'ai un guide en l'air de moi. Votre boss ici, là, c'est Asher, là, il m'a dit, garde, là, tu sais, regarde, c'était ça que tu vas faire le tech, là, tu vas prendre, OK, le disque, tu vas faire le numéro 4. J'ai dit, oui, monsieur. Alors, je vais t'arranger, je veux pas de trouble avec M. Asher, là, tu sais, on se comprend-tu, hein? Je veux pas de trouble avec lui. Son gun. Ah, il y a une tune ici, regarde, on va présenter, c'est le quatrième sur l'album, ça s'appelle Sorry. Peux-vous la présenter pour les auditeurs? Oui, c'est une chanson, je pense, une chanson qu'on a mis beaucoup de travail dedans. Ça fait des années, pas longtemps après qu'on a écrit, on a fini le premier album, cette tune a sorti, puis on a décidé de le travailler, puis le mettre où on le voulait pour l'avoir sur cet album-là. Juste une chose, OK, donc le show qui a eu lieu samedi soir, juste vous demander, entre autres pour les gars qui nous entendent, parce que vous savez, on a des auditeurs un petit peu partout, même en Europe, hein?
Cool. Ouais, c'est ça qui est le fun avec le net, hein. Ça nous permet d'avoir nos limites. Absolument. C'est un peu comme vous autres, les gars, vous avez pas de limites, hein. Mm. Ouais. Alors, sorry, donc, the one. Logiciel Provision. Logiciel Provision.